non, Bébou, t'es tout seul. Non, j'ai trop peur. Oh, ça m'a mis les frissons. Oh, je veux pas faire de la merde, Nick. Parce que là... Oh non, j'aurais pu faire... C'est l'échec, les petits gars, c'est l'échec. Putain, ils mettent une musique angoissante. Oui. Ah. Jason. Pas lui qui m'appelle, putain. Je suis là, vieux. J'y suis presque. Putain. Dites-moi que c'est une blague. Je suis claustrophobe. Et quand je vois ça, c'est très dur. Et en plus, la spéléologie, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup à cause de The Descent. Et quand je vois cette merde, je me dis, non, plus jamais, vraiment plus jamais, je refais de la spéléo. Ah, oh, putain. Bien sûr. Vas-y, bah vas-y, va droit dans. Putain. Stress pour toi. Stress pour moi. Ils sont tous ensemble. Oh oui. C'est toi, Nick ? Oui. Bien quand même. Ah ah. C'était qui ? C'est un soldat bon. Ah, c'est Merwin, peut-être. Ah, si c'est Merwin, c'est cool. Ta rampe, c'est dégueulasse, au secours. Je veux sortir de là. C'est Merwin. Ah ! Tiens. Oh ouais, la vache, il a pas eu de chance. C'est moche, là, il est foutu. Ah bah, merci Jason. T'as conscience que je t'entends? Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. La morphine dans mon sac. Prends-la. Maniez-vous un peu! On fait vite. Montez la garde. La garde? Je dois quitter quoi? C'est pas vrai. Qui a préparé ces sacs? Je dois quitter quoi? Ouais, tu t'étais pas posé de questions. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? T'es devenu un pixel sur mon écran. Tu dois guetter quoi? Oh putain! Il s'agit de trop. Pas de plus de morphine. Ferme-le. Ferme-le. Il nous met en danger, là, tais-toi. Oh, tu vas finir par le tuer. Ouais. Eh. C'est pas ça qu'on faisait. Nick, j'ai besoin de toi. Je fais quoi depuis tout à l'heure? Nick, tu vas l'étouffer. Oupsi. C'est pas vrai. Je voulais pas que c'est fini. Mais oui, non. Ça allait le tuer. Tu l'as tranquillisé, hein. Putain. Mais oui, mais moi, je pensais juste que je le retenais, genre, au niveau de la mouchoir. Je pensais pas du tout que j'allais vraiment l'étouffer. Anyway. Ça. Ok. Oh, mon pauvre Nick, non, il va trop s'en vouloir. Je vous jure que j'ai pas fait exprès de le tuer. Putain, merci, Wendy, de reprendre la relève, parce que... j'ai besoin de redescendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour on se retrouve dans une situation comme celle-là, les amis, et vous commencez à faire trop de bruit, taisez-vous, hein, parce que sans m'en rendre compte, moi j'ai des pulsions. Secours. Oh, ça me fait terriblement peur. Ne pas regarder sur les côtés, ne pas regarder sur les côtés. Regarde sur les côtés, Wendy. Ok, ça va. Tranquille. Peut-être lui récupérer une arme. Ouais, y a un petit gun.
J'ai le temps. Oh. Oh, il te l'a rendu. Encore. Oh non. Oh, dis donc. Oh non. Oh non, c'est à ça qu'il pense alors qu'il est sur le point de mourir. C'est trop triste. Oh, oh, ben oh. Voilà. Ah. Quoi? Attends, je crois que c'est Nick. Bon, dans tous les cas, je vais devoir me tenir prête. Imagine, elle te pousse là. T'as pas entendu? Je se prends un coup de folie. J'ai rien entendu. J'ai cru en... Il dit que c'était fini, merde. Ah, écoutez, je demande le divorce. Pendant que tu tombes, et je demande le divorce. Prends la corde. On descend. Oh putain. Oh putain. Bon, ça va, c'était pas si profond, visiblement. 144 pieds. Je culpabilise encore. Elle était dure avec toi, Rachel. Je reconnais. Tu es pour rien dans l'accident. Allez, au boulot. Ok. Ah, oh, elle aussi, là. Fait un accident. Tout va bien, t'inquiète. Tout va bien. Moi, j'ai plus peur. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. Oh non. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... Maintenant, tout paraît plus simple. Ah, oh là là. C'est tellement dur. C'est le passé, Eric. Il faut qu'on arrive à tourner la page et qu'on pense à l'avenir. Sinon, on va finir par ressasser les mêmes choses. Je préfère me tourner vers l'avenir. C'était douloureux, mais on l'a fait. Oui. Merde. What the hell? Ah non, pas toi. Mec, t'es vraiment sérieux, là? Genre, tu crois que... T'as vraiment? Et c'est le moment, quoi? D'accord. Oh. Ah, pas ou quoi? C'est pour bien te lancer dans l'ambiance, tu vois. Merde. Putain, c'est la merde de leur côté. En fait, il faut prendre un caillou et le jeter loin. On traverse par là, c'est plus sûr. Éviter de faire un maximum de bruit. Merci. Vite. C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Courage, Wendy. C'est la, le moment de la prémonition. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois ce que je vois? Une corde, toi et moi. Raté les QTE. On n'est pas reliés pour l'instant. Non. J'ai pas vu la corde. Rachel. Je te tiens, Rachel. Je te tiens. Ah bah maintenant, on est reliés. Je donne tout, hein. J'en ai les mains moites. Je suis désolé, Rachel. Je suis désolé. Oh. Le mec, il lui dit, moi, je veux que tu reviennes et tout. Quoi? Non. Colonel, c'est les bons. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Eric. Rachel. Mais non, mais elle est pas morte, on l'a pas vue morte, on l'a pas vue morte. Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. Elle est vraiment morte. Notons tout de même qu'ils ont laissé le caporal Merwin en proie aux ténèbres. Non, mais on t'entend pas quand tu parles, c'est pas... Où est passée Rachel? Elle est tombée. Il l'a bien vu lui-même, de toute façon. J'ai tenu tant que j'ai pu.
Heureusement que t'as pas coupé la corde, hein, parce qu'il était juste derrière. Partir. J'avoue. Colonel, c'est trop risqué. Joey, réponds-moi, terminé. Joey, il est mort. Il est mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les Irakiens l'ont descendu. Il a crevé dans mes bras. Quand il en parle pas de l'autre. Faut sécuriser les lieux. De Merwin. Bizarrement. Lui aussi, il a crevé. Non. Dans tes mains. L'accident. Ça veut dire quoi, ça? Mais non, il est mort dans tes bras et l'autre dans tes mains. Oh merde, tu portes tellement la poisse. On est ici à cause de vous. Oh le leur. Ah, vous les tirez là. Je vous demande pardon. Ils ont pas tort. C'est bien ce que je pensais. Comment tu fais trop de choses? Pourquoi c'est les deux miens qui y vont là? Ça pouvait pas être un. Par là. Ouais. Merde. Attention. J'ai eu peur, j'étais prête à faire le QTE. Comment ça se passe pour vous? Bon, on vous dit, on a failli se faire sauter. Le copain nous avait préparé une surprise. Ça va, mais je vous conseille d'être très prudent au cas où il aurait laissé d'autres cadeaux. Terminé. Bien reçu. Je vous rejoins à terminer. Fallait rien dire pour le fil de détente. Oh. Oh non, le pauvre, il est bloqué. Je suis pas sûre d'avoir envie de l'examiner. Je vais d'abord regarder ce qu'il y a aux alentours. Tu vois, t'as rien d'autre à faire. Mais chier, il va m'attraper, je suis sûre. Mais non, tout de suite. Regarde-moi cette manucure, là. Faut être poli, Wendy, faut lui serrer la main. Serre-lui la pince. Je pense qu'il essaye de loot sur lui. Il a pas compris. C'est ta porte de sortie, Wendy. Je suis obligée. Trouver une issue, fouiller les ruines. J'ai rien trouvé d'autre. Fais chier. Ah. Oh. Oh merci, c'est vrai. Attention les petits pieds. Ouais, tu veux le bastonner. Je vais l'enviser. Oh mais je... Mais j'appuie. Une deuxième chance. Oh là là. Pourquoi je me fais aider? J'appuie et je suis deg. Écoutez. C'est ce qui ment à chaque fois. C'est vraiment pas passé loin. Oui. Petit soldat qui allait peut-être mourir. Oh putain. Oh, bon, oh, ils t'ont sauvé, mais eux, par contre, qui va les sauver? Ah ça. Oh non. Trop triste.